Eh bien salut tout le monde, c'est MrBboy45, comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de Resident Evil 7. Nous en sommes à l'épisode 4, j'espère que vous suivez jusqu'ici. C'est parti, on charge la partie, on aura un petit résumé, mais on a découvert de nouveaux lieux et on a découvert une nouvelle cassette où il fallait fuir Marguerite avec sa lanterne, la seule et l'unique. La seule issue, oh là, c'est dégueulasse la petite main qui dépasse de la porte là. Après un combat intense dans le garage, Ethan parvient à rejoindre le hall principal, mais la porte donnant sur l'extérieur est fermée. Il ne faudra plus qu'une simple clé pour l'ouvrir. Sauf que pour avoir cette clé, faut résoudre une enquête qui elle-même t'entraîne à résoudre des problèmes et ça crée des problèmes. Allez, on est donc reparti. Alors, on va passer directement dans le hall principal. Encore une fois, je crois que j'ai mis le son un peu trop fort dans mon casque. Comme d'habitude, éteignez vos lumières, bien évidemment. Jouez le jeu jusqu'au bout, mettez un casque, des écouteurs. Je vais très très bien doser le son. Putain, mais c'est terrible que c'est dit à chaque fois qu'on entend. Et aussi, qui plus est, ramener un paquet de chips, un peu comme là. Mais pas ce paquet de chips là, il est un peu périmé. Hey, des petites bières, faites-vous plaisir. Et puis régalez-vous. Alors là on a un rouleau de PQ, très intéressant au cas où on se chie dessus. On est reparti à l'étage, on avait donc regardé la vidéo de Mia, c'était tout un effet. Mais elle, vraiment hein. Comment elle a réussi à monter les marches d'ailleurs avec son siège? Quel est ce sortilège? Donc c'est parti, on va essayer. Ouais, toutes ces portes avec un signe chelou, c'est fermé hein. Il y a une sorte de racine, je pense qu'il faut une clé spéciale qui me permettra d'ouvrir au moins deux portes. Ok, de l'herbe, je prends de l'herbe, j'aime l'herbe. L'herbe c'est la vie. Ah, j'ai oublié de poser dans le coffre les clés de voiture et la cassette de Mia. Mais on l'a déjà lue. Alors qu'est-ce qu'elle fait là? On peut la relire. C'est très bizarre. Ok, il y a rien dedans. Oh. Ah, c'est l'étage où on pouvait pas qui était cassé. Yes, putain, bien foutu. Architecture au top, hein, très clairement les mecs. Ok, on se refait des soins, on a 3 heals. Je me sens un peu plus en sécurité. On va rentrer là-dedans. Oh. Quelle est cette salle de bain funeste? Ah vache. Ok. Quoi? Faut plonger sa main dedans? Oh putain. Sors! Sors de la baignoire! Oh, une statuette en bois. Oh yes! C'est sans doute pour faire l'aigle. Une crasse indescriptible tapisse la baignoire. Ok. Encore des munitions de gun. J'ai l'impression d'entendre quelqu'un. Encore une pièce antique. Beaucoup trop de pièces à mon goût antique. Je ne trouve pas. Ah! Oh! Oh putain. Ça surprend, tu trouves pas? Encore plus fort que la mort. Ma petite fille nous a donné un don. Ferme-la. Comme tu peux le voir. Ferme-la. On a... Allez, dégage. On se casse. Je me raccroche à la vie. Je me saoule avec le bruit. Ces choses qui m'entourent comme un trou de balle noué de tresse. Ok. Ok. Je crois que ça met en pause le game. Ok, ça c'est l'aigle. Ça c'est l'aigle, j'en suis à peu près sûr. Oh putain de merde. On a quoi là? Hop, regardez. Hop, il est bon. C'est un bel aigle là. Là on a un bel aigle royal. De type royal. Ok, propre. Ça va dévoiler. Forcément. Une porte. J'ai réussi à lui échapper. J'ai tiré 3 balles. Qui a construit cette baraque? Pas moi. C'est sûr. Ok, on y va. J'ai réussi à lui échapper. Je sais pas si on pouvait le tuer. J'ai préféré garder mes munitions, je vous avouerai. Mais c'est plutôt pas mal. J'ai pas beaucoup de place dans l'inventaire, par contre c'est très très chiant. Est-ce qu'il y a un autre point de sauvegarde? Attends, il n'y a pas qu'une pièce où je vais pouvoir sauvegarder. Waouh. On va sortir le couteau. Il y a un élan. Ok. Une petite herbe familiale. Une caisse fragile. Des munitions de pistolet.
fluide chimique. Je sais pas quoi me faire, je vous avoue. Poudre à canon, ou heal. Des munitions. On essaye d'équilibrer le pouvoir de la force de mes couilles. C'est quoi tous ces bruits, putain? Ok. Ça doit être ouvert ici, non? Non. D'accord. Oh putain! Fusil de cartouche! J'ai plus de place dans l'inventaire, là c'est terrible là, non? Là c'est terrible, je n'ai plus de place! Il faut impérativement que je puisse. Donc, comme quoi, vous voyez, il faut aussi observer derrière les décors. Wow! C'est quoi ça? Une caisse à outils. Ouais, j'ai plus mon outil de crochetage. Ok, on a découvert un nouveau lieu. C'est pas mal. Y'a rien dedans. On dirait un dessin d'enfant. Ça, c'est l'enfant possédé, ça, je connais ça. Ok, 14 juin, couple en vacances. Résultat concluant pour le mari, il est le 12e. Malheureusement, la femme n'était pas apte, donc on va se débarrasser d'elle. C'est pas très gentil. 7 juillet, 3 étudiantes. Elles ont pourri toutes les 3. Lucas est un imbécile. Ah, ça, c'est les gens qu'ils ont... D'accord, ils ont kidnappé un couple. La femme... Ils sont débarrassés d'elle. Par contre, le mari, il était concluant. On ne sait pas dans quoi. Les 3 étudiantes sont mortes et un sans-abri. Il a muté en 3 jours. C'est le 13e. D'accord. Ok. C'est pas très beau. D'accord, donc, il y a des gens qui peuvent muter, qui sont aptes à muter, d'autres non. Ok. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah, c'est dégueulasse. Pas ouf, hein. Pas ouf. C'est bien que des fois on ouvre des caisses et qu'il n'y a rien dedans. Une pièce antique encore. Putain, mais c'est terrible ces pièces, hein. On ne saura vraiment pas à quoi elles servent avant peut-être un bout de temps. Oh. Y a pas un petit lieu pour sauvegarder les mecs, putain. Quoi? What? Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Putain de merde! Aïe! Ah! Faut partir. Salopard! C'est donc possible! Il y a d'autres membres que la famille? Des backers! Ok! Des breakers! Oh, mon petit côté américain. Elle, je peux rien faire avec ça. Oh putain! Yes! J'ai pas gâché de munitions. Enfin, j'ai pas gâché beaucoup de munitions. Je vous avoue que je suis assez content. Ok. Ok, ok. En gros, faut vraiment tout fouiller. Quelle était cette horreur? J'ose pas me soigner encore. Quoique j'ai pas mal de soins, on va pas faire les requins. Eh. Faisons pas les requins, les mecs. Waouh, 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 waouh. Quelle est la taille de cette maison? Là, il y a quelque chose, là, qui va ressortir. C'est info sûr, les mecs. Yo, frérot. Des scorpions. Non, mais les mecs, soyez pas fous. Soyez raisonnables. Soyez raisonnables 2 putains de minutes. Là, ça, c'est une pièce à sauvegarde. C'est sûr. Oui! Ok. Ok, ok. Petite musique pour dire qu'on est un peu tranquille. Il y a un papier. Courtenay, ces enfoirés sont à mes trousses. Mais peut-être que ça te donnera une chance de sauver ta peau. Il faut absolument que tu trouves les têtes de chiens sculptées qu'ils utilisent, comme clé. J'en ai vu une dans la salle de dissection au sous-sol. Aïe. Mets la main dessus, c'est le seul moyen de t'échapper. Ok, salle de dissection au sous-sol, c'est un véritable plaisir. Je sens que quelque chose ne tourne pas rond chez moi. C'est sûrement cette saloperie qu'ils m'ont fait avaler. Si je dois y rester, je veux au moins me battre. Je vais m'emparer du fusil que j'ai vu dans la salle de jeu et leur faire regretter ce qu'ils m'ont fait subir. Je dois partir d'ici, Courtenay. Je t'aime, Travis. Travis Michael Wayne. Ok. Ok, ici tout est fermé. Peut-être l'armoire.
je prends. Pas mal de munitions, ça fait plaisir. Bon, écoutez, ça m'arrange, je voulais faire le tri, donc plus besoin des clés de la voiture apparemment. J'ai lu vos commentaires, en plus vous dites ça sans spoil. Merci de ce respect. J'ai de la poudre à canon, c'est pas mal ça. Combinez-la pour créer des munitions de pistolet. J'ai des munitions encore de pistolet par ici. Ça m'en fait combien en tout? Franchement, vous savez quoi? On va en mettre 13 là. J'ai deux herbes. Ok. Vu que j'ai pas de fluide, ça ne sert à rien. J'ai pas de fusil à pompe, ça ne sert à rien. Et la cassette de Mia, on l'a déjà lue. Ok. Attendez, je vais l'ouvrir. C'était fermé, c'est bien ce qui me semblait. D'accord, c'est pas mal. Petite musique asiatique en plus, très sympa. On va sauvegarder et on est bien évidemment reparti. On a découvert tout un nouveau lieu. Je vous avoue que je me suis dépêché devant tout ce stress, parce que ce stress m'habite, comme on dit dans le milieu. Je me suis dépêché, mais ne vous en faites pas. Obtenez les trois têtes de chair. J'en ai déjà obtenu deux. Hein. Deux ou une. Deux, je crois. Et la dernière est dans le sous-sol. Là où ils font des expériences de type pas très légal. Ok. J'ai 40 balles sur moi. 40 balles, c'est pas mal, hein. Ça fait une sacrée partie, putain. Oh putain, il y a un truc qui va sortir d'ici, je vous le dis. Ok. Il y a un truc qui va sortir d'ici, je vous le dis. Oh là là! Le sous-sol est géant. C'est verrouillé de l'autre côté. Ok. Alors, laissez-moi voir le plan, que je tape des petites barres. Très bien. J'ai donc un long couloir à traverser, avec une porte déverrouillée et un autre endroit. Je ne sais pas où ça mène. Ça va donc faire le tour, vu que je peux déverrouiller de l'autre côté. Est-ce que je suis obligé de tous les tuer? En face, ça va bouger. Hein. J'ai peur. Non? Oh, putain. Ah! Oh, putain! Ok. Vous croyez que je peux... Quoi? Vous croyez que je peux les faire au couteau? Ah, c'est dégueulasse. Ah! Ah! Oh putain! T'as des grosses griffes. Putain! Wow! Alors, leur point faible, c'est clairement la tête. Oh putain. Et deux, deux. Ok, leur point faible, c'est clairement la tête. Ah les mecs, c'est pas bon ça. Ça, c'est pas bon ça. Y'a rien, t'es sérieux, on peut ouvrir tellement de trucs où y'a rien. Lucas! J'ai attrapé le type qui passe son temps à essayer de s'enfuir. Je l'ai enfermé dans l'incinérateur tout à gauche pour qu'il ne puisse plus s'échapper. Charge-toi de lui quand il sera prêt. Tu te souviens comment ouvrir la porte, n'est-ce pas? Retiens juste ça. 3A et une empreinte de main. Fais ce que tu veux de la fille. 3A et une empreinte de main. Trévis. Oh là là. J'ai même pas de fluide chimique. Si j'ouvre le mauvais, c'est un méchant qui sort. Vous le savez, les gars, il y a zéro secret. Je tente celui-là. Je tente celui-là, j'en ai rien à foutre. Ok. 3A et une empreinte de main. Allez. Oh non. L'horreur. C'était sûr! C'était putain de sûr, sa mère! Viens là, petit bâtard! Wow, 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 wow! Ok, je l'ai eu. Hop, petit sale tour arrière. Oh, j'ai tenté le diable, pardon! Aïe! Ah non!
Oh, je suis deg. L1, c'est la garde. Mais ils me le disent que maintenant. Je ne savais point. L1, c'est la putain de garde. On a une garde dans le jeu. Je ne le savais pas. Je l'ai vu sur l'écran. J'ai pas osé appuyer. J'ai préféré tenter de me soigner au cas où. Il s'avère que j'aurais dû y aller. Ok, on va les refaire. Mais oui, mais je savais pas. Les mecs. D'accord. Ah, c'est maintenant que vous le dites, putain. Ok, on y retourne. Il y a donc deux mecs à soulever. Aucun putain de fichu problème. Allez, dégage. Oh putain, il a réussi à me la caler. Oh, je m'y attendais pas. Bien joué. Bien joué les animations, franchement. Je pensais qu'il était en train de tomber. Allez, dégage. Ok. Y a pas de retournement rapide, par contre. Allez, dégage. 4 balles, on n'en parle plus. Ok, on est reparti. Bah, on refait la même, hein, les gars, aucun souci. Aïe, 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 aïe. C'est dommage. C'est un peu une mort en vain, comme on dit. Dans le milieu des morts en vain. Ok. Voilà. Y'a rien là-dedans. Et j'ai envie d'ouvrir, quand même. Voilà. Ferme-la. Hop, c'est beau ça. C'est beau ça. Ah, c'est moins beau ça. Ok. Monsieur. Ok, c'est beau ça. Ok, c'est beau ça. Ok, c'est beau ça. Ok, c'est beau ça. Mais c'est un boss. Il est pas comme les autres, celui-là. Il est manipulé par un autre. Oh là là, c'est pas vrai. Bon, faut jouer énormément sur la garde, d'accord. Vous l'aurez compris. C'est vrai que j'ai les munitions améliorées que j'ai pas. J'ai préféré ne pas utiliser pour le moment. On verra quand il y aura un boss qui me portera vraiment. Préjudice, comme on dit dans le milieu de tout ce qui est préjudice à la base. De tout cet univers un peu policier. Ok. On continue, je vais essayer d'arracher les deux. La garde, très utile. La garde, très 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 utile. Je m'y attendais pas à autant d'efficacité. Donc ça va pas être un problème maintenant. Voilà. Ok. Voilà. C'est bon. La garde, très 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 utile. Un plaisir de découvrir. Wow. Je sais pas ce que j'ai tenté. Voilà. Frère. Ok. Il a fallu un petit peu plus de balles que prévu pour ce bonhomme. On va aller par ici parce que je sais pas trop ce qui m'attend. Ah ouais, mais les mecs. Non. Ça, je te le dis, ça. Ça, une pièce aussi grande. Ça, c'est un boss. On y va, hein. On y va au point où j'en suis, de toute façon. Oh la vache. Tellement fort fermé. Plan de la zone de traitement. Très bien. What? On est mort. On est putain de mort. C'est déverrouillé. Ah! Yes, on peut faire tout le tour. Ah, c'est très sympa. Ok, c'est bon, j'ai déverrouillé. Est-ce que je peux pas l'emmener ici? Et le faire tomber dans une sorte de piège? J'ai la clé scorpion. J'ai un crochet pour déverrouiller quelque chose. J'ai une photo d'un trésor. Si je trouve une cheminée, je trouverai un trésor. Très bien. Intéressant. D'accord. J'ai de l'herbe.
Et il y a quelque chose qui vient de tomber dans la pièce d'à côté. Oh la vache, les gars, j'ai le cœur qui palpite. Non, mais mec. Mec. Vous êtes des baisers, hein. Vous êtes vraiment des malades, hein. Non, pourquoi j'ai fait ça, fils de pute? Putain, je me suis soigné! J'ai la haine! La putain de haine! Non! Ok. Ok. Allez, dégage. Oh là là, j'ai la clé scorpion, je peux aller par là-haut. Je sais pas ce qu'il y a là-bas, mais... Ok, on retourne dans la pièce de save. Vous savez quoi? On va ouvrir ici. Yes. Putain, 5 munitions, c'est pas ouf, hein. 5 munitions pour un crochet, c'est pas ouf. Hein. Et on va sauvegarder dans une autre save parce que, un peu déçu de ce que j'ai donné, j'ai pas donné le maximum de moi-même. C'est une évidence, les gars. Donc on va prendre cette save-là, enfin une nouvelle, on va en créer une nouvelle. Et puis si vraiment cette terre me porte préjudice toute l'aventure... Ok. Donc, on va récupérer la clé scorpion, on va récupérer les cartouches de munitions de gun. Et puis on va voir ce que ça donne. Permis de conduire, pièce antique, ok, de l'herbe. De l'herbe, de l'herbe, de l'herbe, j'ai de la poudre à canon déjà. Ok, c'est parti les potes. Oula. Va falloir se les faire, ça va être chaud. Hein. Ça va être tellement chaud. Je suis en sueur là, les gars. Vous imaginez même pas. Okay. Ok. Allez, et de 1. En bas, il y en a 2 ou 3. On va faire lui. Voilà, c'est ça de là, frérot. Et de 2. Putain, il m'a fallu 3 balles pour lui, un vrai plaisir. Ok, c'est pas mal. Attends, il y a une baignoire aussi là-haut. Yes. J'ai récupéré pas mal de munitions de pistolet. Et, putain, ça va chier à la chaufferie. Alors, j'ai vu quelque chose, les gars. On va pas y aller tout de suite. J'ai envie de tenter un truc incroyable. J'ai envie de tenter un truc incroyable. Pourquoi? Parce que dans le temps de chargement, il est dit qu'apparemment, la clé scorpion pourrait nous servir à avoir le fusil. Vous savez quoi? Vous savez quoi? J'ai envie de le tenter. Et on va le faire de ce pas. Alors là, soit je me fais un soin, soit je me fais des putains de mules. On va se faire des mules. La clé scorpion servirait à avoir le fusil. Non, vous savez quoi? Moi, je vais le tenter. Parce que j'ai des couilles, les gars. Aussi grosses que des grains de riz. C'est pour vous dire. Donc, on y va, les gars. Direction le roi scorpion, là. On va essayer de récupérer le fusil. J'ai fait un petit aller-retour pour arracher les deux mecs. Hein. Je sais pas ce que ça va donner, mais on va essayer. On va essayer, écoutez. Et puis, si ça passe, on est les rois du pétrole. Alors, c'est parti. Ok, donc 39-40 balles, hop, ça suffit amplement. Clé de la salle de dissection, pour le moment, on n'en a pas vraiment besoin. Je sauvegarde, et on va tenter, on est parti, on va tenter le fusil à pompe avec la clé scorpion. Alors, je dis peut-être de la full merde, hein, peut-être qu'on peut pas encore. Qu'est-ce qui m'a fait dire ça? Regardez, j'ai regardé la carte, voilà, j'ai ouvert tous les menus sauf la carte. J'ai regardé la carte, et au moins un. Au premier étage, voilà, regardez, chambre de grand-mère, il y a l'icône du scorpion.
Donc c'est la clé Scorpion qui ouvre cette chambre. Et souvenez-vous, c'était là où dans la petite fenêtre à travers, on avait vu un fusil à pompe. Donc on va tenter. Sauf que normalement, selon les statistiques des plus grands statisticiens, il y a le père Baker qui traîne là-haut. Souvenez-vous, on a cavale comme Jaja. Donc on va voir comment ça fonctionne. Direction le premier étage. On va tenter, j'ai envie de tenter. Oh putain. Il n'y a plus la grand-mère. C'est qui marche? Wow. Oh, je vais t'écraser comme un insecte. Derrière moi, non! J'ai tellement peur! Ça va juste putain. Piquer un peu! Ferme-la! Il est derrière! Oh putain, mais c'est terrible! Il peut venir? Il a pu venir ou pas? Putain! Oh my god! Ok, on a réussi à ouvrir vite fait la porte. Maintenant, faut réussir à y aller. Ok, je crois qu'il a despawn et il est retourné là-haut. J'ai pas envie de dire n'importe quoi. Mais mec, mais non, mais les gars! T'inquiète pas, je suis toujours là! Les ok, on laisse tomber. J'ai réussi à ouvrir la porte, c'est déjà bien. Je sais pas quand j'y retournerai parce que c'est terrible. C'est terrible, c'est, vous êtes des fous, vous êtes des putains de fous furieux, les mecs. Ok, on retourne sauvegarder. Vous êtes des putains de malades. Les gars, vous me mettez en sueur, hein. J'ai réussi juste à ouvrir la porte. C'est y part. Mais non! Allez, on recommence les gars, j'en ai marre. Pourquoi? Tout simplement parce que je confonds toujours R1 avec L1. Et là, j'en peux plus, très clairement. Ça commence à m'user, je vais pas vous mytho. Ah mais faut que j'arrête de me baisser, joystick trop sensible. Waouh, 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 waouh. Hop, on s'est... Et là, ils vont despawn. Oh! What? C'est trop dur, c'est trop dur, vous êtes fous! Oh là 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 là! Je sais pas quoi faire, les mecs, je sais pas quoi faire. Allez, on est reparti encore et encore. Je sais pas combien de fois je vais crever, mais des milliers de fois, des putains de milliers de fois apparemment. Ouais mais il me faut le fusil à pompe, il me faut le putain de fusil à pompe. Vous savez quoi, je vais le chercher les gars parce que... Je vais le chercher. J'en ai rien à foutre si je me prends des coups du papa Baker. On s'en bat les couilles, j'ai pas le choix. Allez. Il m'a pas vu. Putain, c'est tellement aléatoire. Il peut être partout. Ok. Pour une fois qu'il était en bas, merci quoi. Oh yes, c'était ouvert. Je l'ai. Ok. Madame Baker. Les gars, j'ai pas le temps de lire ça, vous êtes fous. C'est quoi ça? Mais je m'en bats les couilles. Y'a une dent à récupérer, y'a quelque chose, y'a quoi? Ok, munitions de pistolet. Ok, je veux m'en équiper là, les gars. Hein. Comment on s'en équipe là? Comment on s'en équipe, putain?
Je m'en équiper. Mais non, c'est quoi ces conneries? Je vais pas les jeter à la poubelle. Il y a un fluide ici. Ok. Vous savez quoi, on va se caler ici, on va lire. Alors, Madame Baker, comment vous sentez-vous ces jours-ci? Cela fait un certain temps que... depuis votre dernier check-up. Je vous écris car j'ai terminé l'examen des munitions de votre scanner. Ces zones sombres dans votre visage sont des structures fongiques qui s'apparentent à de la moisissure. Ah d'accord, très bien. Il se peut que des excroissances soient à l'origine des hallucinations visuelles et auditives dont vous nous avez fait part. Si vos symptômes sont effectivement dus à un parasite fongique, celui-ci doit être retiré avant qu'il ne soit trop tard. Je ne veux pas vous affoler, mais je suis très inquiet pour votre santé. Je vous invite à vous rendre à l'hôpital dès que vous recevez cette lettre. En tant que médecin, je vous recommande vivement de passer quelques examens approfondis. Crawford. Ok. Bon, on sait qu'on a un fluide ici. Attendez, mec, je peux rien faire là, réellement. Ok. Je peux lâcher un truc ici ou pas, là? Ok, je dois sacrifier un truc. Mais là, 5 balles, c'est trop. Je peux pas sacrifier 5 balles. Sacrifier ça, peut-être? Bah non, pour un fluide, c'est ridicule. Putain, les mecs. Ok. On se casse? Il est derrière. Je l'ai entendu derrière. J'ai plus place dans l'inventaire. Ok, faut changer le fusil cassé. C'est pour ça que je peux pas le considérer comme une arme. Faut changer le fusil cassé par le nouveau fusil. Donc on va le faire de ce pas. Et comme ça, on aura un putain de fusil à pompe, les potes. Et ça, ça fait extrêmement plaisir. Le jeu est compliqué, vous l'avez vu, mais c'est un régal. Tu te sens récompensé, tu vois ce que je veux dire? Ok. Donc déjà ça on va le foutre là-haut. Ça pour l'instant on n'en a pas besoin. Il y avait un fluide chimique, j'ai de l'herbe. Ok, on va tenter d'inverser le fusil. On est bon là je pense, non? Ok. On a récupéré le fusil, c'était pas évident donc je préfère sauvegarder. On va tout miser sur la sécurité les gars. C'est terrible, hein, c'est terrible. Alors évidemment il y a quelques passages où je suis mort, que j'ai zappé, parce que je vais pas vous montrer quelque chose fait en boucle, en répétition. Ça doit pas être terrible pour vous à regarder non plus. Mais vous inquiétez pas, vous n'avez rien loupé. Ok. On y va. Yes. Et maintenant, on va mettre le fusil cassé. Ah ouais, reload. Ah là, reload comme un sauvage, là. Putain, ouais. Putain, mon pote. Je dis oui. Ok. Mission complete. Fusil à pompe, ma gueule. Qui me prend une place de plus, par contre. Ça, c'est terrible. Ça, c'est quoi, ça? Mais non. Mais je suis pas aussi con. Allez, on recommence. Les gars, putain, mais ça veut rien dire. Les logos ne veulent rien dire. C'est une main avec un bout de papier dedans. Je pensais que c'était la main de modifier, c'est-à-dire le prendre et le mettre ailleurs. Non, c'est la main de appliquer. Les gars, putain, faites pas des logos qui veulent rien dire. Bah, je charge. On est reparti, les gars. Je suis vraiment désolé. Donc, on retourne le chercher. Le kiff était beaucoup trop juste. Oh là 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 là. Complicado. Ok, donc on va en bas, en finir. Récupérer cette troisième et dernière tête, normalement. Et puis on va pouvoir ouvrir la porte qui mène à dehors. Et c'est déjà pas mal, je sais pas ce que vous en pensez. Allez. Normalement j'ai fait les deux mecs à droite, hein. Je me souviens plus. Je les ai fait. Attendez, je suis pas fou. Je les ai fait. Attendez, j'ai un doute, j'ai des doutes de ouf là. Allez.
T'emmènes ça en enfer, mon pote, comme je sais. Allez, frérot. Ferme-la. Ok. Lui, c'est fait. Ma petite gueule argentée. On est pas mal. Vu qu'il était tout seul, j'aurais peut-être même dû... On va voir. On va voir comment ça va se passer. Là, les gars, je suis chargé. La tête de ma mère. On se mettons ici, voilà. Ça va être... Quoi ? Ok. Ok. Mais arrête de te baisser. Qu'est-ce que tu fais? Oh, il a des pop. Oh, sur ma vie, si je dois lui... Si ça réinitialisait le nombre de balles... Ça va très vite m'énerver, ce jeu. Je suis sympa, j'ai mes limites. Voilà. Et gros, gros, meurs. C'est terrible. Voilà. C'est un putain d'effort. T'es pas mort, bâtard. Ok, il est mort. Bon, mais il me reste 3 balles. Il me reste 3 putains de balles et un heal. Je vais pas me plaindre, mais il y a mieux. Ok... C'est quoi? J'ai trouvé quoi? Je sais même pas ce que je trouve. Ok. Fusil à pompe chargé. On fait quoi? On me reste un heal. On y va? Allez, les gars. Imaginez, j'ai 8 balles de fusil à pompe. Hein. Mais imaginez, on n'est pas allé chercher le fusil à pompe. On va voir ce qui nous attendrait dans ce cas précis. C'est parti. Donc, il me resterait que 3 balles de pistolet pour ouvrir. J'allais être son père. Mais maintenant, elle dit que c'est lui qui sera son père. Non. Je vais le trouver. Et je vais le faire souffrir. Et toi, mon pote, tu vas m'aider. C'est donc le père Baker qui a... Ok. C'est donc le père Baker qui a la dernière partie. Et après, c'est direction la morgue et la sortie. Je pense qu'on va s'arrêter là, les gars. Je pense très clairement qu'on va s'arrêter là. J'ai des fluides, je vais pouvoir me faire soit un heal, soit des munitions de pistolet, je sais pas trop. Je vais réfléchir. Dans le jeu, faut réfléchir. Donc, je vais me poser, les gars, dans ma chambre... Autour d'un petit cappuccino et puis je vais réfléchir. Que faire? Est-ce que je dois utiliser dans 10 munitions de pistolet? Dans 10 munitions spéciales de pistolet? Moi, je pense qu'il faut faire des munitions spéciales. Ou un heal de type strong. Je sais pas. Ou les deux. Attendez, je peux faire un petit heal et 10 munitions améliorées. Ah, c'est pas mal ça. C'est pas mal. Bah attendez, je m'enflamme mais j'ai pas de poudre à canon en fait. Donc je vais fermer ma gueule. Et en plus, j'ai même pas de type de produit fluide de type classique. Ok, j'ai les munitions. Oh, mais non, munitions de pistolet, je m'en étais mis de côté. Tellement simple ce jeu. J'ai un produit fort. Vous savez quoi? Parce que ça égale. Je me fais un soin fort. Bon! Écoutez, on va s'arrêter là, n'oubliez pas le j'aime et le commentaire, je vous fais des bisous messieurs, j'ai un gros heal, j'ai un petit heal, c'est plutôt pas mal, je vous fais des bisous et je vous dis, portez-vous bien, j'ai des munitions de fusil à pompe, on est chargé, on est équipé, on est chargé, on va aller soulever le père Baker, je vous dis à très bientôt, bisous, ciao.